pour cette cérémonie d'hommage, un des piliers, si on peut dire, du travail, de la recherche dans le domaine de la promotion, de la conservation de la langue et de la culture amazigh, M. Michael Perron, surnommé Izm Abarbach. Cette cérémonie, donc, sera l'occasion de donner la parole à des personnes pour témoigner pendant 4 à 5 minutes pour nous donner leur impression ou leur relation avec M. Perron et son parcours. Mais avant de leur passer la parole, je voudrais rappeler que cet hommage s'inscrit dans une tradition pour l'IRCAM qui rend toujours hommage à des personnes qui ont apporté leur contribution dans le domaine de la langue et de la culture amazigh. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à M. Ahmed Boukous, le recteur de l'Institut royal de la culture amazigh. Connais-moi, je connais, mais lui, il ne me connaît pas. À l'époque, il ne me connaissait pas. D'abord, quand j'étais étudiant à la faculté des lettres de Rabat durant les années 60, donc c'est vieux tout ça. Et aussi, en tant que collègue, lui, il professait au département d'anglais et moi dans un autre département juste à côté. Et nous nous sommes retrouvés ici à l'IRCAM à plusieurs occasions. Et ça a été toujours extrêmement fructueux de recevoir M. Perron, de l'écouter, de le voir à l'œuvre. Tant son savoir sur la culture amazigh est important. C'est pourquoi nous avons tenu à l'Institut royal de la culture amazigh, nous avons tenu à organiser cet événement qui est un événement amical que nous souhaiterions convivial. Et il est certain qu'avec la qualité de nos invités, la qualité aussi des amis que M. Perron a tenu à inviter à cette cérémonie, eh bien, cette cérémonie soit une réussite complète parce que M. Perron a apporté beaucoup, beaucoup à la connaissance de notre culture et lui, pas simplement en tant que descripteur, collecteur, mais aussi en tant que praticien. Et nous avons toujours été admiratifs devant sa maîtrise de la langue amazigh, et c'est pourquoi nous pensons que si M. Perron, qui a donné beaucoup d'années de sa vie, qui a consacré beaucoup de temps à la culture amazigh, nous pensons que nos concitoyens ont quelque part aussi le devoir de s'y mettre. N'est-ce pas? Voilà. Voilà, pour permettre à mes collègues de s'y mettre aussi. Voilà. Merci, Monsieur le Recteur. Avant de vous donner la parole, Monsieur Michael, je donne la parole à un invité de prestige, Monsieur Toufiq, qui souhaite donner un mot sur si Michael, M. Toufiq, ministre des Affaires religieuses. Vous avez la parole, M. le ministre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci beaucoup, chers collègues. M. le recteur, M. Michael Perron, collègue et ami, je suis ravi d'être parmi vous pour dire un mot d'hommage, pour saluer M. Michael Perron, saluer son labeur avec plus de 70 titres de recherche sur la culture amazigh, sur l'histoire du Maroc. C'est quelqu'un qu'il faut absolument saluer. Comparé à tous ceux qui ont essayé d'apporter quelque chose à cette culture, que ce soit parmi les étrangers ou les nationaux.
Pour saluer Monsieur Michael Perron, je m'arrête sur deux choses qu'il a écrites très brièvement. Je m'arrête très brièvement sur deux choses. Sa traduction du livre de René Auloge sur les chants de la Tessaouat. Un livre qui m'a fasciné depuis toujours et dont j'ai fait une traduction en arabe, tout en pensant à l'origine berbère, mais que je ne peux publier qu'au moment opportun, que j'ai comparé quelquefois à la traduction de M. Michael Perron. Il y a d'abord une énigme que je dois lui soumettre, c'est le nom de Mérida. À mon sens, c'est Mérida et non pas Mérida. C'est le R que le français peut la prononcer Mérida, alors que le premier est Ra, le deuxième est Ra. Donc c'est du Tagrid, c'est-à-dire chanter des mélodies, quelque chose comme ça. Une femme qui chante Mérida, c'est un tsrir. Ça, et puis, pour dire que j'ai connu moi-même, comme M. Perron, j'ai connu René Auloge, il habitait à Asni, à une dizaine de kilomètres de mon village, et puis je l'ai rencontré dernièrement, c'est-à-dire la dernière fois que je l'ai rencontré, comme d'ailleurs M. Perron, c'était à Marrakech, quand il a perdu sa vue. Il a quitté Asni parce qu'on a des vagabonds, des bandits ont brûlé sa demeure. J'ai essayé de mener une enquête à ce sujet, mais tardivement, je n'ai pas pu avoir des conclusions. De toute façon, j'ai discuté plusieurs fois avec René Auloge à Marrakech quand je faisais mes investigations concernant l'ère de la tribu de Dumenat. Ce travail-là est un travail unique, c'est-à-dire la vie de Mérida, de cette femme-là, et ses chansons, et ce qu'il a rapporté comme chanson qui appartenait à d'autres, est une richesse inestimable, sur tous les points de vue, et je crois qu'il est unique en son genre. C'est une vie tourmentée, mais quand même qui a donné quelque chose de très sublime, de très poétique. Et Michael Perron l'a comparé sa poésie à des noms très très prestigieux. Je m'arrête ici et je passe à un autre travail de M. Perron. Il s'agit d'un travail d'histoire, quand il a parlé de l'équilibre entre le pouvoir marzanien et les ambitions des tribus du Moyen Atlas au temps de Moulay Slimane. Pour lui dire un avis un peu différent du sien, c'est que le problème de Moulay Slimane, même quand il a été capturé, ça ne pourrait pas donner une fin à la dynastie alaouite parce que cette affaire de dynastie alaouite avec les dynasties berbères, avec l'élément berbère, est une affaire d'histoire. Ce sont les berbères eux-mêmes, ceux de Tamgrout, qui ont eu ce génie de faire appel au Chorfa pour servir d'arbitre entre les deux éléments dont aucun ne pouvait constituer une dynastie à part. C'est-à-dire, contrairement à ce que vous avez emprunté à Ali Sidqi, mon frère, Ali Sidqi Larahmou, sa conclusion comme quoi cet équilibre-là, c'est-à-dire que le Mekhzen essayait
par tous les moyens de ne pas laisser l'occasion à une dynastie berbère de revenir. On n'est plus dans cet équilibre-là, on l'a dépassé depuis le 13e, 14e siècle, on est dans un autre tribu, dans un autre équilibre. Donc voilà, cela n'empêche pas d'apprécier les subtilités et les finesses de M. Perron dans cet article-là. Je m'arrête là et je salue ce monsieur-là, son ardeur, son labeur et son engagement. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a aimé ce pays-là, qui a aimé sa culture. Autrement, il ne pourrait pas tenir pour 70 ans de travail. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Je passe directement la parole à Michael Perron pour prononcer son allocution. Istma daitma, azul plaun, slam rifun. Demzwaru, irts adasninir Ahmed Boukous, de Nadia Largit, de Moha Mokhlis, ten mirt irgan, ten mirt higan, et l'irkam, تدرت ني مزيغن ياك صح واخ ايوا اسا انجمع داحة يتدرت ني مزيغن هاني مدوكالينو هان اينو قون النخ دروس مدن ها فاطمة ام حزون ها دريس واويشا ها الرشيد بن مختار ها بسو همري ها يوسف ايتلم كدم ها عبد السلام خلفي حسا يعقوبي وليني اعدان vous m'excusez si j'en oublie mais je salue tout le monde ici présent in gown and nakh marhabanon alors voilà, ayant pour l'honneur prononcé ces quelques paroles de bienvenue et de remerciement en langue amazigh, je peux poursuivre en français. Alors, pourquoi pouvez-vous, à juste titre, vous demander quel est, pourquoi cet intérêt pour la culture amazigh ? La raison est double. Primo, mon passé de backpacker, randonneur au sac à dos, qui m'entraînait le long des chemins du Moyen et du Haut Atlas, et qui m'a permis de côtoyer les populations montagnardes. Secondo, un livre par le Général Guillaume, vous vous souvenez, Général Guillaume, La pacification du Maroc central. J'ai eu l'occasion de le lire avec intérêt, mais à l'issue de cette lecture, je voulais, parce que je trouvais que c'était très europocentriste, je me suis dit, c'est au fait d'armes, je voudrais connaître la version locale, les défenseurs de la montagne amazigh. Qu'en disent-ils ? Et c'est pour ça que je me suis égaré pendant longtemps sur ces chemins-là. Alors, il a fallu, parce que c'est des choses de, vraiment extraordinaires, donc l'Hri, que vous connaissez bien, madame, Tefsest en Haute-Moulouya, Ait Yarkoub, près de la Yashi, Tazi Zaout, près de Darbala, Bougafr dans le Sahro, Beddo, etc., etc. Alors, pour ce faire, il a fallu s'initier à la langue, apprendre Awel Nimazirn. Alors, il y avait des livres, il y avait le livre de Laos, le livre de Bisson, tout ça, j'ai un peu potassé ça, mais il fallait aussi aller sur le terrain. Et sur le terrain, au contact des Nimazirn dans leur village, j'ai appris à rompre le pain, etc., etc. Et j'ai voulu apprendre un petit peu des poésies, des proverbes, des petites histoires. Et ceci a donné lieu à mon propre premier livre, que vous connaissez sans doute, sorti en 1993, Issep Nourbenin, Rivière profonde. Alors, pour ce faire, il a fallu se mettre
au diapason de Islaine et Temawain. Et je me suis amusé à en apprendre une trentaine par cœur. Et aujourd'hui, je les ai encore là, 25 ans plus tard, elles sont encore là. De temps en temps, elles sortent comme ça. La nuit, quand je suis à Grenoble, loin du Maroc, je rêve en tamazirt et il y a des mots qui sortent comme ça. Alors, mes recherches n'ont pas été seulement livresques, mais essentiellement pratiques, supposant une implication très forte sur le terrain. Mon engouement m'a permis d'animer des leçons d'histoire et de culture amazigh à l'université à La Hawaïne, où j'ai œuvré longtemps avec M. Rachid Mokhtar, ici présent, et Dreswa Wisha, que vous voyez là-bas aussi, qui a été par la suite le président. Et ce qui m'a permis d'animer des cours de culture et d'histoire amazigh que je débitais en anglais, en plus. There's an English dimension to my character, you see. Mais je ne vous embêterai pas avec ça. Mais comme c'était des jeunes Américains et Anglais, Finlandais, Français qui pratiquaient tous l'anglais, donc je faisais ces cours en anglais. Voilà. Alors, pour conclure, il y a eu deux années, de 2012 à 2014, où j'ai enseigné à des jeunes Marocains la traduction de Temazirt vers le français dans le cadre d'un master de langue et culture amazigh. Ceci avec Fatima Bokhris, qui n'a pas pu venir aussi aujourd'hui. Je la salue, mais c'est grâce à elle que j'ai pu œuvrer en commun avec elle pour ce boulot-là. Ça a été une expérience enrichissante. Vraiment, c'est là que j'ai vu entre ces jeunes étudiants motivés. Il y en a qui venaient de Figig, il y en a qui venaient de Erremensouk, il y en a qui venaient du Rif, d'autres du sud-ouest marocain. Eh bien, j'ai vu qu'entre eux, ils se comprenaient déjà. Surtout les tamazirtophones de Rachidia qui allaient faire leurs études à Agadir. Ben, ça y est, ils passaient un an à Agadir, ça y est, Tachlit n'avait pas de secret pour eux. Donc, vous voyez, ceux qui veulent à tout prix standardiser le berbère, comme on disait dans le temps, en fait, ça se fait tout seul. Les différentes composantes de la langue amazigh se marient très bien entre elles. Moi, dans mon quartier, il y a des Bouthanout Shle. Je leur parle en tamazir, je mélange tout. Je dis la basse rorsh, la basse darsh, enfin, la basse zorsh, enfin tout. Je mélange tout exprès. Parce que les imazirines ont l'esprit très agile et ils comprennent. Du moment que la syntaxe est bonne, le reste vient tout seul. Voilà. Alors, j'ai aussi connu des moments fort marquants en compagnie, surtout des populations du Haut Atlas de Midelt et Tounfit, qui est ma région de prédilection. Également avec des citadins d'origine amazigh, de fidèles compagnons de voyage, tel Ayad Kerouach, qui est par là, Assou et Khadija Al-Hatout, qui m'ont d'ailleurs beaucoup aidé dans l'apprentissage de la langue. Et alors, nous avons alterné entre des conviviales veillées dans les demeures villageoises en pierre, bois épisé, ou alors dans des bergeries un peu approximatives, ou des bivouacs carrément sous la tente chez les Ait Hadidou, ou à la Belle Étoile, sous les cèdres du pays Ait Yahyad Tounfit. Et il y eut aussi des échanges culturels, d'abord avec des grands musiciens, avec la chanteuse, la diva du Moyen Atlas, Hada Ouarké. Grâce à Abdel Malek Hamzaoui, j'ai pu la rencontrer trois ou quatre fois. J'ai rencontré le grand Memon Orho également. Et puis, également à El Hajjem, on a vu le Cheikh Lissour des Échichaoun. Et puis le Cheikh Mohar Lade Ait Hadidou. Voilà. Et puis, il y a aussi des grands champions de l'amazirité que j'ai côtoyé, tel Mohamed Mouhlis, ici présent, et bien d'autres. Youssef Aitlem Kadem, également présent. Hadour Touche, qui s'est excusé. Mohamed Lal, qui n'a pas pu être des nôtres. Zaïdouchna et Taous, tout ça du sud-est marocain. Et Audrey Safé,
بيني وليون مشالان مدني يضنين ران أدسولن أو دنتني إيوا نغسن أمزاتي وليون Merci, professeur Michael. Je passe directement la parole à Sius Al-Mqaddem, donc qui a ramené avec lui une capsule bon, qui retrace quelques moments de vie de Michael en montagne. Je lui donne la parole pour présenter la capsule et puis par la suite, on la visionne. Merci. Non, ça va, ça me va. Merci beaucoup. Michael est toujours admirable. Voilà, donc moi je suis venu ici parce que, je dirais que pour deux raisons. La première qui n'est pas sans importance, c'est déjà d'exprimer mes remerciements à l'IRCAM, à l'équipe qui a organisé cette rencontre. Et à sa tête, monsieur le recteur. D'autre part, je voulais dire que ce type de rencontre nous permet d'abord de nous retrouver entre nous, parce qu'il y a des gens qui viennent de tous les horizons ici. Et puis, l'IRCAM, finalement, est une sorte de carrefour qui permet aux gens de reprendre contact. Et ça me fait plaisir, je suis plein d'émotions quand je suis rentré ici et que j'ai vu des visages, des figures que je n'ai pas vues depuis très longtemps, ça c'est vraiment quelque chose. Parce qu'en fait, l'entité humaine, elle est beaucoup plus liée à ça. Autre chose, c'est que je suis venu ici parce que, ayant connu Michael et ses travaux depuis longtemps, il y a deux choses qui m'interpellent et sur lesquelles je voudrais juste marquer un petit temps. D'arrêt, c'est que Michael est d'abord le personnage que vous connaissez, qui ne passe pas inaperçu et qui justement jusqu'ici a bénéficié de beaucoup d'hommages parce qu'il a eu déjà, il a déjà profité de quelques hommages à la faculté des lettres, à Timney, donc à Midelt, et j'en passe. Il a travaillé dans ma région et c'est justement ça aussi qui m'interpelle à chaque fois et qui me tient à cœur. Il a travaillé dans ma région et c'est une région qui tient de la steppe de la Haute Moulouya, donc qu'il connaît très bien, qui tient d'une frange importante du Moyen Atlas et qui tient aussi d'une montagne colossale qui est le Haut Atlas préoriental. Et ce Haut Atlas préoriental a été parcouru aussi bien par Charles de Foucault, par le marquis de Segonzac, etc. Et lorsque je prends les cartes géographiques élaboré par le professeur Michael Perrand, parce qu'on s'en servait quand on travaillait sur la langue de cette montagne, justement, j'ai trouvé qu'il a suivi les itinéraires avec les descriptifs qui en avaient été donnés et que finalement il avait restitué, mais de manière très concise, très précise, énormément de détails qui permettent justement aux gens un peu curieux comme moi de découvrir énormément de choses dans cette montagne colossale qui renferme énormément de tribus, Aït Miel, Aït Aïyash, Aït Isdeg, Aït Hadiddo, Aït Yahya, Aït Sliman et j'en passe, mais qui est considéré et qui continue d'ailleurs à être considéré comme étant le château d'eau marocain parce que toutes les rivières qui irriguent le Maroc, presque, partent de cette montagne colossale qui fait 160 km de large lorsqu'on la parcourt. Et ici, c'est très intéressant quand même de voir que cet homme a franchi tous les cols de cette montagne. Ils sont très, très nombreux et ils sont très importants parce que ces cols marquent aussi le partage des eaux. C'est-à-dire lorsque vous êtes sur un col, vous avez des eaux qui partent au nord, par exemple, et vous avez des eaux qui partent au sud ou qui partent à l'ouest. Et Michael, donc à travers ses cartes, nous a enseigné énormément de choses. Et c'est pour cela donc que je suis venu ici personnellement pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour cette région, indépendamment justement
de ce que vous allez voir dans cette capsule et qui est lié à sa possession de la langue amazigh. Juste encore un petit mot et je vous laisse voir la capsule. Je m'étais interrogé sur une petite chose en me disant, mais attendez, pourquoi M. Michael Perrin est loué? Pourquoi à chaque fois on le célèbre comme étant un personnage extraordinaire pour juste avoir travaillé sur une langue qui est la langue amazigh, et puis pour avoir aussi, parcouru ces montagnes? Est-ce que vraiment que le berbère, un peu comme le chinois ou comme le français ou l'anglais, ça n'est qu'une langue? Pour les linguistes, ça n'est qu'une langue comme une autre, qui porte une culture, qui véhicule une culture. Alors justement, nous, puisque nous avions appris la langue française, Mike l'a appris la langue amazigh, après tout, il n'y a pas de choses extraordinaires à ça. Mais moi, je trouve que finalement, il a émerveillé les gens. Vous savez pourquoi? C'est très simple, parce que le berbère a été quelque part marginalisé pendant des siècles, écrasé, blessé, bafoué, et que finalement, on est très saisi par cet homme qui vient d'une autre culture et qui finalement, tout de suite, intègre cette culture, la porte dans son cœur, et il nous offre l'image, la belle image de cet enfant battu tout le temps, et qui, à un moment donné, est pris d'affection par quelqu'un dans les bras. Je crois que c'est un peu comme Michael. Il a pris cette culture, il a pris cette langue dans les bras, et finalement, tout le monde lui reconnaît ce geste d'affection merveilleux. Voilà. Merci beaucoup. Vous allez le voir. Je vous souhaite un bon spectacle. Alors, j'ai fait beaucoup de coupures vives dans mon texte. Alors, d'abord, le langage des yeux et du cœur. Quelquefois, on n'a même pas besoin de parler. Le regard lui-même dit tout ce qu'il a à dire. Adaya Dharitit, ou Nagila Wul, Tradisn, Masnir, Kabel Adish, Nsioul. Et oui, pas besoin de parler. Le langage des yeux suffit. Ensuite, ça c'est pour l'amour, mais ensuite il y a éviter la confrontation. Il ne faut pas fixer la panthère dans les yeux, vous la connaissez. Alors, j'ai fait beaucoup de coupures vives dans mon texte. Alors, d'abord, le langage des yeux et du cœur. Quelquefois, on n'a même pas besoin de parler. Le regard lui-même dit tout ce qu'il a à dire. Adaya Dharitit, ou Nagila Wul, Tradisn, Masnir, Kabel Adish, Nsioul. Et oui, pas besoin de parler. Le langage des yeux suffit. Ensuite, ça c'est pour l'amour, mais ensuite il y a éviter la confrontation. Il ne faut pas fixer la panthère dans les yeux, vous la connaissez celle-là aussi. Notre ami Hala Saïdi l'a cité dans un de ses ouvrages d'ailleurs. Elm imyanein mzlarent. Elm urmyanein mzrelent. En plus, il y a un jeu de mots. Et ça, c'est. Vous savez, il ne faut pas trop fixer les gens dans les yeux. Sinon, c'est le casse-pipe, tout de suite. Passez votre chemin, détournez le regard, et c'est la sagesse même. Ensuite. Autre forme de parole, l'amazigh discours beaucoup avec la nature. Alors, je vais vous donner certains exemples où il prend à partie des phénomènes comme un oued. Il est malheureux, alors il parle à l'oued. Ou alors, il est content qu'il pleuve et il est reconnaissant envers la montagne, comme le Bilayashi qui est en face et qui appelle de tous ses voeux les pluies bienfaisantes. Ou alors, il charge une alouette des monts d'aller porter son salut à sa bien-aimée. Alors, Ayaidi Yijren, Amrdesh Kisertino, si je te racontais ma mauvaise aventure, Ayasifumrbia, Atiglugld et Amein, pendant 2 ans, tu cesserais de couler si je te racontais mes mésaventures. Ensuite, pour nous, Bilayashi, Ayaïou Ayash, Ayoumurbia,
مشورخت ليد زوانخ إشدران parce que nos champs seraient bien secs si tu, on ne t'avait pas au monde des Aïtaïach. Et puis ensuite, the bird messenger, comme on dit en anglais, donc porte mon salut. Allah Mouette, il dit ça pour qu'elle apporte son salut à son ami qui est sous la tente. Ensuite, deux paroles de losanger. Vous savez, le losanger, c'est les im'idan, les brouilleurs de pistes, les semeurs de zizanie. Alors, il y a des envieux. Alors, on met en garde le jeune courtisan berbère. Awa zayd l'alf et wahdadi nish. Awa ni wala brid. Goulani m'idan n'kanch. Asdod attribue cela à Yamnana Aziz. C'est ce que disent certaines personnes. Une autre parole de Imaïden que voici. Ton blanc coursier gave le fou de fourrage, ô toi qui chevauches par les chemins, de te tuer, les envieux ont juré. N'khench. Voilà. Excusez-moi. Une autre parole de losangier, elle est très connue, celle-là, c'est Ayasmoun, Nani Meriden, Tmoud, Awerdelstern, Afurstidart Stershakd. Deux amis, les envieux ont ébruité ta mort, alors j'apporte le suaire, et qu'est-ce que je te trouve en train de mener joyeuse vie? Voilà. Alors ça, c'est les semeurs de zizanie. Mais il y a aussi la discrétion. Alors, une jeune fille dit à son amoureux, si jamais tu me quittes un jour, ne parle pas de mes défauts à quiconque. Voilà, faut pas raconter à qui que ce soit mes défauts. Et là, vous avez trois mots. Awaidrich, awnarich, awnachiraoul. Ça, c'est des paroles. Awenhubbenu. Tout ça, c'est des paroles qui viennent du cœur et qui sont très expressives. Voilà. Je continue, j'écoute même, vous voyez. J'exerce ma propre censure. Alors, maintenant, justement, pour les gens qui parlent pas suffisamment comme notre ami ici. Les gens ont parlé, les émissaires ont parlé, moi aussi j'ai parlé. Il n'y a pas un seul qui est capable de tenir sa langue. Ça, c'est une de mes préférées. C'est un appel à la discrétion, vous voyez. Voilà, alors vous avez bien ri, là, je me suis donné un spectacle tout à l'heure. Non, mais ça me plaît, vous savez, j'ai un stock de Tim Owain et d'Islen. Dans ma tête, comme ça, quand je suis en forme, il faut que je boive du thé à la menthe. Alors, le thé à la menthe décuple mes ardeurs et ça revient. Pour un Écossais. Je dois avouer un Écossais. Et je dois vous dire que c'est en grande partie grâce à ce monsieur ici présent, des Zayt Abdi Tounfit, qui a été ce qu'on appelle mon informateur, mais moi je n'appelle pas ça un informateur, c'était un bon ami, qui m'a enseigné un tas de Islen et de Tim Owain, grâce à quoi j'ai fait un bouquin, et puis j'ai fait d'autres bouquins par la suite. D'ailleurs, mon premier bouquin, Issef Nourbenin, Les rivières profondes, je suis en train de le refaire actuellement, une version revue, corrigée, augmentée, en fait, voilà. Et chaque fois que je peux participer à des danses à Hidous, ça me plaît, ou à une réunion avec des Imazirs, ça me fait vraiment plaisir. Et je remercie tout le monde d'être venu ici. Ça me fait rappeler les années 81, quand j'étais lycéen. Oui. On s'est rencontrés par hasard dans les vallées de Turc, si je me rappelle bien. Oui. Après, on s'est vu à Rabat. C'est là où on a commencé à travailler, ensemble. La poésie et l'herbert. Voilà. Je vous remercie, je remercie aussi Madame Josia, parce que j'étais un membre de la famille. Exactement. Durant des années. Absolument.
Bon, c'est comme ça que ça a commencé. C'est... Merci. Les vidéos, c'est bien. Laisse tout faire, voilà. Très bien. Un sourire, Ravi. Un peu humide, c'est bien. Voilà. Et je terminerai par une chanson anglaise à boire, voilà, qu'on chantait dans le car quand on revenait d'un match de rugby à l'extérieur. Vous me donnez le top, je peux... Pénitence, vont bientôt se refermer. A house in New Orleans, they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. My mother was a tailor, she sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Oh, mother, tell your children not to do what I have done. Oh, they'll end their lives in pain and misery in the house of the rising sun. There is a house in New Orleans, they call the rising sun, but it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know why. Merci Sius pour cette capsule qui retrace quelques moments de Michael. Donc je passe au témoignage. J'invite M. Mohamed Dehbi pour qu'il prononce son allocution. Merci. Pas une vraie allocution, vraiment quelques mots pour dire comment j'ai connu Michael Perron. Moi, c'est l'angliciste. En 1974, je rejoins le département d'anglais et je trouve Michael Perron, professeur d'anglais avec moi, c'est un collègue. Vous avez certainement des difficultés à essayer de caser un peu Michael Perron, comment l'étiqueter. Ben, vous imaginez comment moi et les autres collègues au département d'anglais, on a les difficultés qu'on a à étiqueter quelqu'un comme Michael Perron. C'est un angliciste, oui, il est au département d'anglais, anglais parfait, mais quand il parle français encore, ben, il est natif. Et ok, c'est un angliciste qui ne connaît pas seulement l'anglais, mais le français. Et c'est quelqu'un aussi auquel on donne des cours non seulement pour enseigner l'anglais, mais aussi pour enseigner la traduction, pour des textes littéraires en français et en anglais, et le travail entre les deux. Difficile encore
de comprendre un peu comment. C'est les impressions que je vous donne, c'est les impressions des premiers anglicistes travaillant avec Michael Perron. Et puis, petit à petit, on commence à comprendre qu'au fait, cet angliciste, cet traducteur, très bon traducteur, cet homme de lettres qui aime bien la littérature française et la littérature anglaise et qui peut jongler avec les deux comme ça, au fait, c'est un géographe. Vous avez entendu un peu ce qu'il il vous a parlé un peu. Nous, il ne s'est pas présenté comme ça au début. On ne le connaissait pas comme ça. Hein. Et puis, ce géographe, comment est-ce qu'on commence à comprendre un peu ce géographe et de voir un peu son travail de géographe? C'est quand il commence à nous faire des présentations de toutes les photos sur tous les diapos de ses voyages au Moyen Atlas, ses escapades de week-end, de vacances, etc., au Moyen Atlas, avec ses sorties aussi en cross-country skiing, et ce qu'il nous raconte après de ses aventures. Hein. Et ça, c'est à ce moment-là que nous, on a eu aussi l'occasion de connaître Madame Perron, là, et à laquelle je voudrais aussi rendre hommage, parce que Madame Perron, c'est le soutien, c'est la base sûre, la base arrière sûre qui assurait le travail de Michael. Alors, pour le berbère, vraiment, ça, c'est petit à petit qu'on commence à voir que cette connaissance du pays, des montagnes, des pistes de ski, etc., et puis de ce qu'il nous racontait de l'habitant, ben, ça devenait quelque chose de beaucoup plus précis. Il commençait à parler du berbère, à nous enseigner des choses sur le pays. Que nous ne connaissions pas. Moi, en tant que partiellement souci, je ne l'intéressais pas beaucoup, mais il y avait des collègues du Moyen Atlas avec lesquels il passait beaucoup plus de temps à parler, en fait, parce que on est après tout linguiste, on passe beaucoup de temps à parler de langue, donc. Et puis, donc, il commence à y avoir les publications, le Chant de la Terre Haute, d'abord, c'était une publication assez compliquée, parce qu'il fallait que ça soit numéroté, le nombre de copies qu'on allait publier, et il fallait avoir l'autorisation de celui qui avait le droit à la source. Ça a été la traduction en anglais. Enfin, après, vraiment, c'est quand j'ai eu encore une autre vie avec Michael Perron, c'est après, quand je suis passé à l'Université Al-Hawain et quand il nous a rejoints à l'Université Al-Hawain. Et là, il nous a rejoints vraiment pour parler et pour enseigner le berbère, pas seulement la langue, mais c'est là qu'on a mis en place ce cours qui est Histoire et culture berbère, que les étudiants de deuxième et troisième année prenaient et qui était très populaire. C'était possible, ça s'est très bien fait. On a même publié un livre qui est aussi parmi les livres que vous retrouverez dans la liste de ces publications, qui est un livre fait spécialement pour ce cours, pour le cours d'histoire et culture berbère. Bien sûr,
moi, j'étais à ce moment-là doyen, mais on avait aussi une, des arrières très solides. C'est le président Belmokhtar et Sidri Souaoucha qui était vice-président à ce moment-là et qui était un élève de, au département de Michael Perron et qui connaît, qui le connaît bien. Donc, avec deux présidents qui soutenaient ce travail, vraiment c'était possible et ça s'est fait. Et comme ça, on retrouve Michael Perron, le chercheur, Michael Perron, l'historien, Michael Perron, le poète, qui s'intéresse un peu à tout ce qui concerne le monde berbère, le monde amazir. Et au fait, c'est un angliciste, un anglicisant différent, parce que, et ça aussi c'est quelque chose que je retiens toujours en pensant à Michael, c'est au département d'anglais comme aux autres départements de langue, on nous reproche de ne pas être assez proche du pays, assez proche de la société dans laquelle on est, etc. Ben, Michael a été différent. Pas quand on était à Rabat, parce que ce n'était pas permis, mais à Khawain, c'était possible et ça s'est fait. Et je suis bien heureux d'avoir été là et d'avoir fait partie de l'équipe. Voilà, merci. Merci, M. Dehbi. Je passe directement la parole à Mme Nadia Larguet pour qu'elle s'exprime. Vous avez la parole, madame. Alors, mademoiselle, maintenant. C'est de l'humour. Alors, je ne vais rien rajouter d'original, M. Perron, mais sachez que je n'aurais raté votre hommage pour rien au monde. Et pourquoi ? Parce que je connais l'infatigable Michael Perron depuis que j'ai 7 ans ou 9 ans et j'en ai 50 ans. Donc, c'est pour dire... Voilà, je le connais depuis que vous habitiez à côté du fameux cinéma royal. On ne parlera pas de cinéma aujourd'hui. On peut clin d'œil à Nourdine Saïd, mais voilà, je connais Michael Perron depuis très longtemps. Alors, cher Michael, vous, le grand amoureux du Maroc, de ses habitants, de ses langues et de ses montagnes, vous, l'amoureux de l'Atlas et de la générosité des montagnards, prêts à tout vous offrir pour un bon thé à la menthe. Sachez qu'aujourd'hui, M. Perron, c'est le Maroc tout entier qui vous remercie d'avoir tant donné à ce pays et d'avoir fait circuler la langue amazir partout où vous êtes allé. Vous êtes un ambassadeur exceptionnel et dans ma bouche, le mot exceptionnel est très fort. Moi qui ne parle que le français et encore, Monsieur Boukous, je vous rassure, voilà, je m'arrête au français et encore, je m'incline devant vous. Un homme comme vous, ça mérite tous les honneurs, vous êtes une fierté. Alors merci à l'IRCAM pour cet hommage aujourd'hui, mais je le redis, c'est le Maroc tout entier qui vous remercie. Merci pour vos magnifiques poèmes et vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, M. Dehbi. Merci à votre épouse qui a été à vos côtés depuis si longtemps, Josio Perron. Oui, oui, les hommes sont souvent accompagnés de femmes aussi exceptionnelles et qui aiment, il faut le dire, le Maroc tout autant que vous. Donc, on parle tellement qu'il y a des problèmes entre le Maroc et la France. Moi, je trouve ça beau, c'est magnifique. Donc voilà, vous allez nous manquer. Je ne sais pas si les gens savent que vous allez quitter le Maroc. Bon, ben dans pas longtemps, donc vraiment, vous allez nous manquer. Donc, je vous embrasse le plus sincèrement du monde et avec l'émotion. Voilà. Merci, madame. Pardon, monsieur, je voulais juste dire que ce n'est pas de l'impolitesse de ma part, mais j'avais prévenu monsieur Perron que j'avais un engagement à 18h à Casa. Donc, si vous voyez me lever, ce n'est pas par impolitesse. Voilà. Nous sommes informés, madame. Ok, je passe la parole, c'est monsieur Hamri. Qui nous vient de Blimlen. Merci, Simouha. Je rejoins mes collègues et les intervenants qui m'ont précédé pour réitérer nos remerciements à M. Michael Perron pour ce qu'il a fait pour nous, pour notre culture, pour notre pays et pour notre langue amazir surtout. J'ai connu M. Michael Perron à travers, de loin, à travers son ouvrage
les rivières profondes, Issaf Nourbanin. J'entamais à l'époque mes recherches et là, je suis tout de suite trouvé mon chemin. Je me suis dit, eh bien, ces rivières profondes, je vais y plonger. C'est ce que j'avais fait pour sonder les profondeurs vraiment de ces rivières. Et le résultat a été donc un bouquin qu'il m'a lui-même préfacé. Je le remercie encore. Ce bouquin est publié d'ailleurs par, édité par l'IRCAM, qui s'appelle « La poésie amazigh de l'Atlas central ». Donc, c'est une exception, Michael, c'est une sommité exceptionnelle. Venir d'autres horizons pour justement s'intéresser à cette culture qui était à l'époque marginalisée, il faut le reconnaître. Donc, il avait vraiment osé s'y intéresser, donc s'impliquer, et lui dévier sa vie. Il a même donc donné sa vie à cette culture, à cette langue. Et je vais vous raconter une anecdote qui résume tout, d'ailleurs, pour ne pas être long. J'étais invité chez Madame et Michael Perron à Grenoble. Quand on mangeait, donc on parlait de son expérience avec la langue amazigh, ses escapades, comme a dit M. Deby, donc ses randonnées, ses longs voyages pour Josiane, c'était de longs voyages, et qu'elle avait supporté, vraiment, donc partagé l'amour, son amour avec son époux, avec une autre. Une rivale, la langue, la langue amazigh. Et un jour, donc, elle en avait assez. Elle a dit, pourquoi ne pas épouser une berbère et on en finit une fois pour toutes. Donc, cette anecdote, bon, une histoire vraie d'ailleurs, donc qu'on s'est raconté, donc on s'est beaucoup amusé. Donc résume tout l'engagement. Je ne sais pas, un engagement qui dépasse la fidélité donc à ce pays, à cette culture, à ces contrées amazigh, marginalisées, oubliées. Donc, il a donc dépoussiéré, qu'il a donc essayé donc de mettre en exergue et donc de nous présenter, d'être notre ambassadeur d'ailleurs ailleurs dans d'autres pays. Donc, tous mes remerciements du fond de cœur. Mes remerciements également à l'IRCAM qui a. Donc, c'est la moindre des choses d'ailleurs. C'est la moindre des choses donc d'organiser cette rencontre en l'honneur de cette sommité donc, qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. Et merci. Merci, si Bessou. Madame Fatim Zahra Saleh, Michael Lilla. Oui, vous avez la parole, madame. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président de l'IRCAM, messieurs, dames, bonjour. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour dire un mot qui sera bref, mais qui ne sera pas moins profond. Ça sera mon petit témoignage et mon modeste témoignage sur ma relation avec Monsieur Perron. Une relation, en fait, qui a démarré il y a déjà plus d'une vingtaine d'années à la faculté des lettres de Benimelal, parce que je viens de Benimelal, je travaille à l'université de Benimelal. À cette époque-là, on était une toute petite faculté des lettres, toute modeste,
n'est-ce pas, M. Perron? Et vous, vous êtes venu parce que des collègues à moi, notamment M. Fertahi et d'autres collègues de l'époque, vous y ont invité. Alors, pour moi, c'était une véritable découverte parce que mon intérêt à cette époque-là pour la culture amazigh était mais vraiment en état de balbutiement, je dirais, bien que étant moi-même d'origine originaire de Figuig, donc je suis berbère, si vous voulez. Mais l'intérêt pour la culture n'était, ou le patrimoine, on va dire, le patrimoine culturel amazigh n'était pas vraiment prononcé. Mais c'était déjà pour moi un étonnement, parce que pour moi c'était un regard différent. Et que je ne connaissais pas du tout. J'étais, moi, à l'intérieur de la famille berbère, mais je n'avais aucun regard externe ou extérieur de cette culture-là. Bon, j'étais trop jeune aussi, il faut le dire. Bon, alors, des années plus tard, il y a un projet, je monte un projet, n'est-ce pas, mes collègues qui sont présents là avec moi, M. Hamri notamment, qui a partagé le même département que moi. J'ai monté un projet sur le compte dans la région de Tadla Azilal, qui aujourd'hui s'appelle Bnimlal Khnifra. Et à ce moment-là, c'était un projet de collecte, donc de terrain. Et là, mon chemin se recroise celui de M. Perron pour tout le travail qu'il a fait. Alors, je dirais que l'intérêt que ça a représenté pour moi, les recherches de M. Perron, c'était au-delà de simple bibliographie, de simple référence, on va dire, de bibliographique, parce que j'ai tout simplement redécouvert son travail et j'ai surtout été impressionnée par l'esprit qui a accompagné les recherches de M. Perron. Et cet esprit-là m'a beaucoup guidée, parce que quand on fait le terrain, quand on fait la collecte de terrain, on nous demande autre chose que nos simples compétences scientifiques. Ce qu'on exige de nous, c'est surtout être capable de mener à bien des relations humaines. Quand on fait le terrain, on exige de nous des talons autres, ceux de pouvoir tisser des liens. Parce que ce qu'on vient chercher, nous, les collecteurs, les scientifiques, on vient le chercher chez des gens qui le pratiquent, qui pratiquent et qui ont une mémoire aussi. Et à ce moment-là, on doit être capable de gagner la confiance des gens. Et tout cela ne peut être possible que si nous faisons montre de respect et d'estime pour l'autre. Et je crois que M. Perron l'a démontré dès le début. Il a toujours été dans ce respect-là pour l'autre. Il a toujours été dans l'estime de l'autre. Et franchement, moi, ça m'a beaucoup impressionné, cette relation que vous avez su tisser avec la population pour pouvoir y être accueilli à chaque fois avec la même chaleur. C'est parce que les gens ont compris que vous avez du respect pour eux. Et c'est pour cela qu'ils vous ont confié leur mémoire, ils vous ont confié des choses qu'ils avaient eux-mêmes reçues de leurs parents, grands-parents, de leur communauté. Et ça m'a beaucoup aidée, ça m'a vraiment inspirée. Et je pense que c'est une véritable philosophie même, et c'est une véritable école. Et je crois qu'on devrait s'inspirer de ça pour former aussi la jeunesse, nos jeunes étudiants, nos jeunes doctorants, nos jeunes étudiants en master, qui vont être appelés à faire du terrain, devrait s'inspirer de ça, s'inspirer de l'expérience de M. Perron, qui, bon, entre guillemets, je me permets de dire qu'en tant qu'étranger, entre guillemets, vous avez su être parfaitement reçu, parfaitement, on va dire, non pas seulement reçu, mais plus que ça, vous avez adhéré à cette culture à laquelle vous avez consacré toute votre vie. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait retenir de votre carrière. C'est cette générosité-là que vous avez donnée et que vous avez reçue aussi en partage. Et pour un dernier mot peut-être, c'est que on s'est beaucoup croisés ces derniers temps, et il m'est arrivé de proposer à M. Perron des invitations qui venaient de l'étranger parce qu'on voulait lui rendre hommage, notamment des organisateurs, notamment dans les pays du Golfe et tout, qui voulaient rendre hommage à des chercheurs sur le Maroc, mais qui seraient
d'origine étrangère, on va dire ça comme ça. Eh bien, il a refusé. Et après, je lui propose d'aller à Ourzazet dans un petit patelin. Il me dit, ouais, d'accord, je viens, j'arrive. Et c'était juste après le confinement, c'est-à-dire c'était son premier retour au Maroc. Le premier retour au Maroc après le confinement, il descend directement à Ourzazet. Je lui dis, je t'invite ailleurs, tu ne viens pas. Il me donne tous les justifs possibles. Je suis fatiguée, non, je ne peux pas faire le voyage, il est trop long et tout ça. Mais alors, il est descendu à Ourzazet en prenant le bus, Et là, il n'était plus fatigué. Et ça, je trouvais ça extraordinaire, tout simplement. Et ça dit toute la passion que M. Perron a pour la culture marocaine, pour la culture amazigh et pour le Maroc tout court. Merci encore et merci beaucoup. Merci, madame. Vous savez, Michael, c'est quelqu'un de spontané, mais aussi de très réactif, de vif. Il y a quelques années, il était parti à Arbalach d'un petit patelin isolé des Aït-Sourmen. Il y avait un ami qui était médecin privé. Il ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas Michael. C'est docteur Oussed. Il se voit. Michael lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, je suis médecin. Et d'un seul coup, il lui sort un verre. Il lui dit, c'est-à-dire, je n'irai plus à l'hôpital. Le médecin est fou. Je lui dis, je souffre d'amour. Il me dit, tu fais une opération chirurgicale. Voilà. La parole à Sius Ferry Fassi. Bon, Michael m'avait demandé il y a quelques mois de lui écrire un petit texte, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, mais il ne m'a pas dit aujourd'hui que je devais faire une intervention. Donc je vais essayer très rapidement de résumer mon petit texte, alors, que j'ai intitulé « Rencontre improbable avec un Nate ». Youssef, rappelle-moi. Avec un Afghan au Nouvel. C'était Youssef qui m'avait donné la traduction. On ne pose pas une question pour trouver une réponse, mais la question surgit comme conséquence de la réponse, qui la précède logiquement. C'est un grand psychanalyste français, Jacques Lacan. C'est-à-dire que le questionnement n'arrive que lorsque le conscient accède à la réponse. Comment j'ai connu Michael ? Figurez-vous que je le connaissais depuis très longtemps, mais je ne savais pas qui c'était. C'était une boîte aux lettres. Il y avait un perron qui était écrit. J'allais chaque semaine dans cet immeuble du centre-ville de Rabat et je voyais perron, mais ça ne me disait rien du tout. Et en octobre 2015, j'avais organisé avec une amie de Tanger, Christine, ce qu'on a appelé les rencontres improbables avec les gens de là-haut. C'était avec une vallée du Eid Bouli, dans le Haut Atlas central, près de Eid Bouguemez. Et c'était une vallée que je connaissais depuis maintenant 40 ans. J'y vais régulièrement, j'ai des amis, j'ai vu les petits grandir, se marier, divorcer. Enfin. Et donc, on avait organisé des rencontres improbables. On avait eu d'ailleurs l'appui de M. le ministre Belmokhtar. Quand il a vu que nous allions faire de la poésie de Merili Dainai Tatir. Et donc je voulais proposer justement quelques vers de poésie de cette poétesse du Haut Atlas central. Et je cherche sur Internet, je trouve un certain Michael Perron, Grenoble. Téléphone, donc je téléphone régulièrement à Grenoble, personne ne répond. Et en fait, un jour, je passe devant la boîte aux lettres et je vois Perron. Donc, je questionne le concierge. Je lui dis, c'est Monsieur Perron, il parle berbère, amazigh ? Il m'a dit, oui, c'est un drôle de gaouri. Donc, Michael accepte. On fait la traduction de 5 poèmes de Mrilida dans le parler de Tounfit. Boumia, c'est pas le parler de Menette, hein, mais 5 poèmes. Un ami de Tiflet, poète aussi, il fait la traduction en arabe, donc on avait déclamé. Et ce que j'avais constaté, ça m'avait interpellé, c'était le regard admiratif des tisseuses.
qu'on avait ramené une trentaine de tisseuses de cette vallée qui exposaient leurs tapis, leurs travaux. Et elles étaient admiratives. Et je me suis interrogé, mais pourquoi cet émerveillement ? Voir un tiers, voir un étranger maîtriser la langue qui n'est pas, alors je vais dire un terme, il est peut-être un peu fort, mais marginalisée, méprisée. Elle n'était pas, c'était pas la langue qu'on allait, comme le français ou l'anglais ou l'arabe. C'était la langue parlée, vulgaire, comme disent les linguistes. On a terminé les trucs. On a fait connaissance d'ailleurs avec plusieurs femmes qui nous ont invitées à Eid Bouli. Donc une fois, on est allé ensemble, on est allé à déjeuner à Assamar, un douar de Eid Mzalt, chez une responsable de coopérative de femmes. Et elle a invité une poétesse. Ils se connaissaient. Donc je commence à discuter des Temawain. Et puis cette femme qui n'est jamais sortie de sa vallée, qui ne parlait pas d'arabe, pas de darija, jamais sortie, et bien cette femme connaissait les poèmes que Père Michael avait appris 400 km plus loin à vol d'oiseau dans la région de Boumia et de Tounfit. Et ça vous montre comment la poésie circule à travers les montagnes. Et là aussi, les femmes du Douar revenaient à chaque fois. Elles étaient émerveillées. Voir un étranger déclamer des poèmes, connaître des poèmes de leur région. Et ça m'a beaucoup interrogé, parce que la femme, ou la mère plutôt, joue un rôle important. C'est elle qui transmet la langue symbolique. Ce qu'on appelle la langue symbolique, c'est ce qui permet de désigner les choses. Quand la mère dit à l'enfant, ça c'est un verre, ça c'est un thé, ça c'est du sucre, c'est le registre symbolique de la langue. L'école, notamment pour ce qu'on appelle la maternelle, mais en fait elle sert plutôt à dématernaliser l'école, c'est-à-dire à faire sortir l'enfant de la langue symbolique que la mère lui a appris, pour l'aider à accéder à la langue imaginaire qui peut être celle des contes, de la philosophie, de la poésie, de la science, de la géographie. Pour nous, ce serait l'arabe ou ce serait le français ou l'espagnol pour les Marocains du Nord. Donc le fait que de se réapproprier, de revenir sur la langue symbolique, de redonner à cette langue, parce qu'il y a une hiérarchisation des langues qui se fait automatiquement dans l'inconscient. C'est-à-dire, celle qui est enseignée, qui est écrite, va avoir valeur, c'est la langue des vainqueurs. Et celle qui n'est pas écrite, qui n'est pas du registre, c'est la langue des vaincus. Or, cette hiérarchie est tout à fait imaginaire dans notre tête. Redonner un statut de langue imaginaire à la mazir à travers des poèmes, à travers des discours, c'est redonner la première place à cette langue. Alors, donc après cet Emma Wayne, j'avais remarqué aussi les femmes étaient émerveillées. Entre-temps, lors des rencontres improbables, on avait connu un certain Mohamed Aourar, malheureusement qui est décédé il y a quelques années, et qui avait écrit, c'était un poète de Chambéry, que connaît d'ailleurs Youssef Haïtham Kaddam, et qui est décédé d'un cancer assez brutalement. Et j'avais permis, comme il était à Chambéry et que Michael était à Grenoble, ils ont voulu se rencontrer. Il a été invité, Josiane et Michael les ont invités, lui et sa femme. Ils se sont connus. Il lui a offert un petit ouvrage, La Crie du Maroc. C'est une poésie très revivifiante, très, très simple et en même temps qui s'intéresse aux gens humbles. Et Michael a entrepris, lors du Covid, a entrepris la traduction en berbère, parce que le livre était en français, donc l'effort a été fait, et il a proposé à l'IRCAM de le publier. Ce sera un hommage à ce jeune poète, malheureusement, qui est décédé.
On avait fait d'ailleurs une soirée à Arsartin Mey avec la participation de Youssef en hommage à ce poète. On avait lu quelques beaux poèmes. Youssef Kaddam avait lu Mimouna, si je m'en rappelle bien. Très bien lu. Tout ça pour dire que... Oui, j'allais oublier. Je m'occupais il y a deux ou trois années d'une dar taliba dans la région entre Khmisset et Oulmès. Et donc j'avais proposé à Michael de faire une conférence sur la poésie des montagnes. Là aussi, il n'y avait que des jeunes filles. Et c'était extraordinaire, là aussi, l'émerveillement de ces jeunes filles de voir un tiers, un étranger, parler leur langue maternelle, la langue de l'imaginaire. Et puis elle reprenait avec lui certains des poèmes qu'il était en train de déclamer, elle les connaissait, elle les reprenait avec lui. Et il y avait toujours cet émerveillement. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Si les mères ne transmettent pas la langue maternelle, la mazir s'en est foutu. Et c'est, je pense, c'est ça le point essentiel. C'est-à-dire, ce sont les mères qui sont dans la transmission de la langue, pas les hommes. D'ailleurs, à Eid Bouli, on avait remarqué un truc, les hommes parlaient darija, parce qu'ils allaient au marché et ils vendaient les tapis des femmes, mais les tisseuses ne parlaient pas darija. On les empêchait d'accéder au marché, donc de s'approprier l'argent. Et ça, c'est un point important, le rôle des femmes est essentiel. Ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. C'est Youssef. À présent, je donne la parole à Bel Mokhtar pour qu'il exprime son témoignage. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci. Ben, c'était pas prévu, alors ça va être spontané. Et bien entendu, c'est avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir parce que, tout d'abord, d'être avec vous, c'est peut-être, à part des visites un peu protocolaires que j'ai fait une fois ou deux, c'est peut-être la première fois où je suis assis à une table, justement, avec une assemblée de personnes qui, disons, par opposé à moi-même, sans maîtrise cette langue si belle que j'admire, et pour plusieurs raisons. Mais je reviens à Michael. Michael, moi je l'ai connu à l'université de Hawaïen quand je suis arrivé, il était professeur d'anglais, ça a été dit. Et puis, bien entendu, très rapidement, grâce à ses collègues linguistes, parce que j'étais, moi, pris en étau à l'intérieur de l'université par ces linguistes, par tous ces gens qui viennent de la fac, moi qui suis un simple ingénieur, un peu... un peu dans la technologie, dans le codage, dans tous ces trucs-là. Et je me retrouve donc dans ce milieu que je découvre et que je commençais à apprécier très sérieusement. D'abord parce que, par curiosité, évidemment, Michael m'a été présenté. Le courant est passé très vite avec lui, avec Josiane, et très rapidement, il est devenu un peu mon professeur, de culture amazigh et de découverte, finalement, parce que ce n'était pas simplement par des mots, mais aussi par des visites. Nous avons fait un certain nombre de chemins ensemble dans les montagnes. Là, il m'a amené voir un peu ce qui se passe, etc. Et j'apprécie de plus en plus ses connaissances, disons, le volume de ses connaissances, l'appréciation que les gens en ont. À chaque fois qu'on a été quelque part, je voyais finalement comment les gens le recevaient, comment ils le traitaient. Et c'était extraordinaire. Et bien entendu, là, on a commencé à penser, à faire des choses. Et c'est là où en fait, les chants des Tassaouts sont venus. Pourquoi ? Parce que je les avais lus, bien entendu, depuis très longtemps, les chants des Tassaouts. Et étant dans une université anglophone, la première idée est de dire, est-ce que les chants des Tassaouts existent en anglais ? Il m'a dit non, ça n'existe pas. Je dis, alors qu'est-ce qu'on attend ? Pour les éditer. Et puis, là-dessus, il est parti à la recherche, bien sûr, du fils, bien entendu, pas de l'auteur, de celui qui avait édité la première version. Et
Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis après, bien sûr, il y a beaucoup de choses, les publications d'un certain nombre, je dirais, de poèmes, de livres, d'événements, etc., etc. Ce qui fait que je me sentais de plus en plus pris par cette sculpture, il faut dire. Je voyais la langue trop pour moi, hein, pas facile, je dirais, à apprendre après un certain âge, mais la culture, oui. Et c'est une culture extraordinaire. Je dois vous dire et vous faire un aveu, c'est une culture qui me ramène finalement à mes racines. Pourquoi ? Tout simplement parce que ma mère est une Rifaine. C'est une Rifaine de Melilla. Donc Rifaine de Melilla, et qui, malheureusement, par le temps, par le déplacement de Melilla à Tanger, a perdu. Enfin, n'a jamais connu, il faut dire. C'est son père, c'est surtout son arrière-grand-père, qui a immigré en 1803 de Melilla. Et puis, son père, bien sûr, cela, peut-être qu'il connaissait le Rifaine, mais elle, non. Mais par contre, l'espagnol. Donc, ce qui fait que j'étais hispanophone, mais pas, malheureusement, pas amazérophone, si on peut dire. Mais ce qui est important, c'est que nous avions le tracé, c'est-à-dire l'arbre généalogique, et on voyait très bien, finalement, toutes ces racines et les mariages, évidemment, qui se faisaient, bien sûr, en allant chercher les familles dans le Rif, les Oriarel, les ceci, les cela. Donc, finalement, j'étais un peu dans ce bain, si vous voulez, dans ce bain-là. Mais il y a un autre bain qui m'a rapproché de Michael, c'est que j'ai perdu ma mère très jeune. Donc, je ne l'ai pas beaucoup connue. Mais elle avait une amie française, et sur son lit de mort, elle a demandé à cette amie, je voudrais que tu t'occupes de mon fils. Et donc, cet ami a rempli son devoir pendant un certain temps, je dirais, entre l'âge de 8 ans comme ça, 12 ans. Et il se trouve que le mari de cette dame avait été contrôleur civil au Maroc, dans la région des Zilal. Bon, ça, je ne le savais pas trop. Mais à sa mort, sa fille, donc qui était un peu comme une sœur adoptive, m'a envoyé énormément de documents de son père. Et c'est à ça que je voudrais arriver aujourd'hui. Elle m'a envoyé donc ce que son père a écrit, et il avait écrit énormément sur son expérience dans la région des Zilal en tant que contrôleur civil. Autrement dit, de quoi parle-t-il ? Il parlait de culture. Donc on retrouve là-dedans des histoires qui se sont passées à l'époque où il était là. Il y avait la description des mariages, la description des enterrements, mais énormément de détails de la vie quotidienne, disons, dans cette région. Et pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, moi, j'ai ces archives. Et puis, en hommage à Michael et au travail qu'il a fait, je voudrais, à travers lui, les confier à vous. Voilà. Je pense qu'ils seront mieux que dans un placard chez moi, et qui feront bon usage, puisque je pense que ça peut servir à des étudiants, ça peut servir à un certain nombre de gens, de voir évidemment comment est-ce qu'on voyait le Maroc dans les années 30 ou 20, dans ces endroits-là. Et ça sera, je dirais, une manière, je dirais, de rapprocher Michael, je dirais, d'un passé et d'une amitié, hein, qui est née donc dans les montagnes d'Ifrane. Et la seule chose que je demande, c'est qu'ils fassent la préface quand vous les éditerez, si vous les éditez. Voilà, et merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Je rappelle juste que l'IRCAM, depuis quelques années, reçoit des dons, effectivement, de personnes qui prennent l'initiative. Et l'IRCAM prend soin de recevoir ces dons, de les réserver un rayon du nom de la personne qui a fait le don, donc pour mettre à la disposition de tous les Marocains, les chercheurs, étudiants, l'ensemble de la documentation dont ils disposent. Voilà, je passe la parole, c'est Abslam Khalafi. Merci. Azoul Amkran, Amdoukel Yaisen Michael Piron. على سنتيني إزم أبرباش
نمساقار أسوغواسنا 1996 نغ 1997 قد استداويت نوومة الأخوين قفران يسكر كيغان الطاس كيغان انتوري ويني فولكين يشناني غودان قيقر انت مازيخت قل أخوين قمزوارو إيقا مايكل تزمر النس تصدار النس حما أدنس بده تمسمون الأخوين قبري دوا نصدار نغي نزمار أدنسكر أكد تن المدين دين المدن من الأخوين من ناوت نتيلال خفتو تلاي تمازيخت دتو سننس تمسمون تاد تفكا أفراك لا كونسيونس استماجيت انت مازيخ قد استويت من الأخوين قويس سين إيقا مايكل تزمار النس حما أدنس بديات قروما نورزو قيقر انتو تليت دوتو السنة تمازيخت أكد ملكة حوشا أكد سامير تيال أكد بونجمة محمد أمدوكلينو كس إبراهيم أبو الصواب د مبارك حنون قويس ويسكراد كوياس نكويا كواس أرنس ملا إيات انتلالت خفتو تليت دوتو السنة دومزروي أمازيخ ويسكوز نجا يات توريت فولكي يجا مايكل يات توريت فولكي أكد إجلين باقي د ماس وكريم باقي ترحم سيدي ربي د ماس وكريم أشكو نوس جوسكشم ن ن ن نسلم دنتو تلاي تمازيخت قد سداويت الأخوين والف وتسعمية وتنين وتسعين دونك جو رميرسي انفينيمون مسيو راشد المختار باسكو دونك إلا إنيسيي مسيو سي أعويشة يا كوتي دو موا سي دهبي دونك كينتي زمار نسنتي مقرانين حما تمازيخت أتن الصغار دي تمازيخ دي تسداويت الأخوين كويس صديس يسوفغد مايكل من ناو نيدليسن تسداويت أم وومن أز براف أز مان بربر هيروينز أوف أتلاس دي 2003 يسوفرد يات نتسغونت يسمون جيس مناو نيمنيتن ديز ارتيكل خف تسكلا ان تمازيخت فرد 2004 د اكت دو كولوك اورغانيزي ان 2005 بار الاخوين يونيفرسيتي اي تمسمونت الاخوين سور سيت دو ميموار اي تراديسيون اورال امازيغ دونك اديتي ان 2007 بار الاخوين نتاي جايزم نراومي جايزم منزي أشكو إيجاو ديفوندر إيجاو حما أديلي ومشان أديلي ودغار نتمازيغ تتسداويت من الأخوين أن نوم دو تيغان إن دي فيغور أمبليماتيك يا ماركي لا روشيرش إي لي زيتود سيونتيفيك أمازيغ أو ماروك أن غران كونيسور دو لا مونتاني إي دي مونتانيار دو لاتلاس إي لا باركوري دوبوي 1955 montagnes, plaines et vallées de cette région à la recherche d'informateurs et de poètes. À ces informateurs et ces poètes, il avoue une grande admiration pour avoir vécu parmi eux tout au long de ces séjours, quatre décennies durant, en marchant, en campant ou en partageant des grillades d'agneaux et des verres de thé dans leur maison confortable faite de pierre et bois. Il a su comment accéder à son Maroc profond et nous préserver un trésor précieux, poésie, jeux poétiques et non poétiques, proverbes, contes, lexiques, traditions, histoires, femmes et ruines de l'Atlas. En tant que randonneur alpin, ce grand isthme, attiré depuis 1960 par la splendeur des paysages, a exploré les recoins les plus secrets tout au long des années suivantes. Et durant ces longues années, il a découvert le goût de l'hospitalité des populations amazighes. Il a découvert ce que beaucoup de nos concitoyens citadins n'ont pas malheureusement découvert durant des siècles. Il a découvert le sens et la beauté du vers amazigh et l'amour que porte Amaziran pour cette isli. C'est une découverte qui façonnera une sympathie durable entre le chercheur et la population.
une sympathie qui ne finira pas seulement par l'apprentissage et la maîtrise de la langue amazir, mais de se lancer aussi dans les engrenages de la recherche. Ses travaux sur la littérature amazir et sur l'histoire du Maroc central sont considérés par les spécialistes des références indispensables et incontournables en matière de recherche scientifique et académique. Grâce à ses travaux et à ses recherches profondes, il a préservé une partie considérable de la mémoire commune des Amazirs et de leur patrimoine ancestral. Les ouvrages qu'il a publiés depuis les années 60 du siècle dernier ont comblé les lacunes dans le domaine des recherches dédiées à l'oralité, de la tradition et de l'histoire. Et Safen Rbani, une rivière profonde, à titre d'exemple publié en 1993, est considéré par les chercheurs dans le domaine comme une première dans l'histoire où des études soient consacrées à la poésie amazigh orale du Moyen Atlas. Jusqu'à 1993, on ne peut y énumérer que quelques articles écrits durant la période coloniale par certains ethnologues comme Abbas 1919 et Arsène Roux 1928. Mais avec ce travail solide et fondateur, l'auteur a pu, d'après le recensement de Jilali Saïd, non seulement collecter 262 Timawayin, les strophes, 282 Islam distiques et 259 vers de Timdiazin, poèmes, mais aussi à classer ce corpus par thème, à analyser ses contenus et ses genres et à interpréter les diverses formes de la poésie en mettant le lecteur non averti dans le bain socioculturel de la région. Fruit de sa propre collecte dans la région de Tonfit et Milchil entre 1980 et 1987, l'ouvrage nous donne une image claire sur la littérature orale de la région et permet aux francophones, par le biais de la traduction, à accéder au génie de la langue poétique amazigh. En 2002, elle publiera un autre ouvrage sur les poésies berbères de l'époque héroïque, Maroc central 1908-1932. L'ouvrage ne se débarquera pas de la méthodologie adoptée. Elle constituera une continuité des Safen, fruit d'une collaboration fructueuse avec Harry Stromer et Claude Brenier-Estrin. Le chercheur se chargera de balayer la poussière entassée sur les archives Arsène Roux à Aix-en-Provence. Depuis des décennies, la récolte n'était pas facile. Il lui a fallu photocopier les manuscrits, les traiter, les compléter auprès de locuteurs natifs, les traduire et les analyser. Ainsi, l'Isli Amazigh devient entre ses mains un témoignage qui n'exprime pas seulement la sensibilité poétique, mais témoigne aussi d'une époque héroïque. Elle nous informe sur les lieux, les personnages, les attitudes, les événements et la résistance suicidaire des combattants amazigh devant les chars et la machine destructrice de l'occupant. En 2003, elle publiera Woman as Brave Man, Berber Heroine of the Moroccan Middle Atlas, Ifrane, donc à l'Université Al-Khawain. L'ouvrage englobe des dizaines de contes recueillis auprès de plusieurs locuteurs, dont l'appartenance linguistique et Aitwarayan, variante proche de Tadifit. Les textes traduits à l'anglais constituent le premier travail publié dans ce cadre dont se parlaient les limitrophes. En fait, elle s'est localisée sur deux sous-parlers, celui des Ait Bouslama de Bab Ouidir et celui des Irzran de la région Ouladzloul Bouyblan. L'originalité du travail ne se limite pas seulement à la collecte, la transcription, la traduction et l'analyse, mais elle met aussi en exerce l'action primordiale des femmes dans la société amazigh. C'est un travail qui nous rappelle la spécificité amazigh dans une société plurielle, accueillante et donne à la femme une place distinguée. Son dernier ouvrage intitulé The Berber of Morocco, A History of Resistance, publié en 2021, et qui porte sur la résistance des Amazirs lors de la pénétration coloniale au début du XXe siècle, recadre cette histoire avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle dans son contexte national et revoit le récit historique
des nationalistes avec une grande précision scientifique en mettant en exergue la forte contribution amazigh à la résistance. Son objectif est de mettre en évidence l'épopée éminemment marocaine, trop longtemps obscurcie par un discours nationaliste justement sélectif. Ce grand isme berbérisant, angliciste, né en France, éduqué en Angleterre, docteur en géographie et professeur aux trois universités de Grenoble, de Rabat et d'Al-Hawaïn, a prouvé un attachement profond vis-à-vis de la montagne amazigh et des valeurs des amazighs et amazighanes. Il a démontré son amour pour la tradition orale et même il a donné l'exemple aux jeunes chercheurs pour partir sur le terrain et prendre contact avec la population la plus isolée pour sauver ce qui reste de leur patrimoine. Il les a incités en donnant le modèle à procéder pour accomplir la vraie mission de la recherche, celle de sauvegarder, protéger et développer l'entité culturelle nationale, celle de préserver ce qui fait de nous des Marocains. Il les a poussés à ne pas rester chez eux, préférant devenir un jour des Martinets, les Martinets et les Chomsky du Maghreb. تنمر تمقرنت مس مايكل كيون مرر خدمتني جيت تنمر عاود تانية مرسي سي عبد السلام جو فودري فغي ندير بارونتيز مايكل ا باسي ليسونسي دو سافي شي لي زيتي حيا دو تونفيز دون لا كونفيدراسيون دو زيتي في المال اي لو ليان ايتي تيلمون تيلمون تري فور كو la communauté Hiraouais, ils ont décidé de lui octroyer des lots de terre s'il veut construire et s'il veut rester chez eux pour qu'il l'adopte. Voilà. Je donne la parole à Si Hussa et Yaqoubi. Merci. C'est très difficile de parler de Michael sans partager avec vous des moments exceptionnels d'humour, de complicité. Je vais partager avec vous une randonnée, parce que j'ai fait à peu près 7 randonnées avec Michael Perron, un peu sur la trace de nos parents, tués par l'armée française. Mon grand-père a été tué à Hamdoun, mon père était prisonnier à Arbala, et je suivais Michael, et on faisait l'expertise des endroits, des points de bombardement, les armes qui étaient utilisées pour tuer les nôtres. Alors imaginez, vous faites une randonnée avec un homme comme ça. Et puis, voyons qu'il marchait plus vite que moi, parce qu'il est plus sportif, il s'arrête, il me parle d'un oiseau. Il triche. Quelquefois, il est submergé par le sucre du thé le soir, mais il n'ose pas dire à ses hôtes, « Ah, Zafatayan !» Il me passe le verre comme ça. Je buvais son thé. Et alors, ce qui est extraordinaire aussi, ce sont ces expressions. La première fois que j'arrive à Taziza, et bon, c'est un vaste sujet, j'ai déjà parlé de ça, j'ai visité ça plusieurs reprises avec Michael, j'en ai parlé avec Bassou, j'ai visité avec M. Khadiri qui est là, M. Mokhlis, M. Youssef, beaucoup d'amis, merci Lerkan de nous avoir réunis autour de ce personnage. Au sens positif du terme. C'est un personnage, Michael. Je vais vous donner un exemple de son humour, pour commencer. Une fois, j'étais fatigué. Et je vois une maison. Je lui dis, Michael, s'il te plaît, on va s'arrêter chez les gens. On leur demande l'hospitalité. Il m'a dit, Ouriadil, c'est inconvenant. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, hier, il y avait l'orage du siècle. Les hommes sont partis chercher le morceau de bois. Et tu veux demander du thé des femmes seules à la maison? C'est extraordinaire. Alors, c'est Michael qui m'apprend les valeurs positives de ma propre culture, qui m'apprend mon histoire sur les pas des résistants amazighs. Et une autre fois, on parlait de la Hidous. Il m'a dit, il était du côté d'un Mzi ou je ne sais pas, de ces régions-là. Et puis il y avait un Ahidous, et puis il y avait un jeune qui avait une veste en cuir qui dansait l'Ahidous. Mais qui lui a dit, Ouri Adil, non,
C'est inconvenant de ne pas avoir un costume comme tout le monde. La cigarette, n'en parlons pas. Quand il voyait quelqu'un fumer, c'était une catastrophe pour lui. C'est-à-dire une connaissance infiniment chaleureuse de la culture amazigh et de la culture des gens de montagne. Un exemple aussi à propos de la Hidous, il m'a parlé d'une fête qui se tenait dans Haute-Écosse, Kaylee ou quelque chose comme ça. Kaylee, une fête dans Haute-Écosse. Les gens se rencontrent. Kaylee. Kaylee, yes. Ok. Alors, il me parlait de ça, moi je me croyais que c'était un Ahidous au Moussem des Milchil. Tellement c'était la même ambiance, c'est-à-dire que les gens ils arrivent et se rencontrent et ils font connaissance. Autre chose, beaucoup plus poignant, c'est que la première fois qu'on est arrivé à Tazikzaout, il n'y a pas de tombe parce que les gens étaient bombardés dans des abris, donc il y avait des ossements, etc. Moi, spontanément, je commence à prier, comme ça. Alors, je finis ma prière, je cherche Michael, je ne le trouve pas. J'appelle Michael, rien, je ne le trouve pas. Et pourtant, l'endroit est calme. À un moment donné, je surprends, figé devant un cèdre. Je dis, Michael, il ne me répond pas. À un moment donné, il termine sa prière, il me dit, « Zolé Réfim Jouhep. » Et je termine. Désolé, je n'ai pas traduit, mais ça veut dire que j'ai pris sur la mémoire des résistants. Il a dit « on t'amazirte ». Alors, c'est-à-dire les nôtres, finalement. Voilà. Oui, je dispose de quoi encore ? 2 minutes. Ok. Bon, pour résumer les choses de ces rencontres, ces randonnées très instructives, m'ont permis aussi de faire une expertise comme travail académique avec Michael sur les cartes de la région. Nous avons constaté que les noms des lieux sur les cartes très détaillées étaient faux, la plupart. Et alors pourquoi ? Et avec Michael et la sortie des cartes, je crois, de 1928, et on a constaté que ces cartes-là, elles étaient fausses tout simplement parce que le militaire français demandait par exemple à un berger et l'intimidait, comment appelle-t-on cet endroit ? L'autre dit Fenarmast et l'autre il écrit Telgmast. Telgmast qui ne veut rien dire, c'est-à-dire la couverte. Quelquefois, le berger se moquait de militaires français. Il dit ça, il dit Ayr Nolrum, le col de la chamelle. Mais alors que c'est Ayr Nvarat. Donc, sur des cartes, vous allez trouver des cols de chamelle qui sont des cols de chèvre. C'est pour vous dire que le travail avec Michael était toujours très agréable, très fatigant parfois, parce que on n'a pas parlé aussi d'une... En autre casquette de M. Michael Perron, c'est l'ornithologie. Il a écrit d'ailleurs un livre sur les oiseaux de l'Akhawaïm. Et c'est un travail remarquable quand vous êtes avec Michael à 2700 mètres d'altitude, quand il vous parle des oiseaux, quand il vous parle de la nature, la nécessité de protéger la cèdre marocaine. Il était ravi chaque fois qu'il voyait un jeune cèdre poussé, épargné par le bétail, etc. Bon, de tout ça est sorti un travail que, modeste. J'ai fait un portrait de Michael quand même. Je l'ai filmé pendant 1h20, où il parlait, etc. Et la question ultime, c'était, mais quelqu'un a soulevé la question, Michael, une fois que tu es décédé, où est-ce qu'on peut t'enterrer ? Il m'a dit que mes cendres soient éparpillées sur terroristes. Voilà. Merci, Hussein. Voilà, je donne la parole à quelqu'un qui a côtoyé Michael très très longtemps. Il n'est pas chercheur à l'université. C'est une autre dimension, puisqu'il est aussi un homme de terrain. C'est à ceux là-dessus. Vous avez la parole. Apporter un témoignage. Quand il s'agit du professeur Michael Perron, est un plaisir et un honneur pour moi. Si j'ai fait la connaissance de Michael Perron depuis plus de 40 ans,
c'est d'abord grâce à nos épouses, l'admirable Josiane ici présente, que je salue, et Feu, mon épouse, qui avait des activités sociales communes. Ce n'est pas grâce à sa compétence comme professeur, mais plutôt du fait de son autre casquette de randonneur que j'ai eu le plaisir de partager avec lui plusieurs expéditions. Nous nous connaissions déjà donc depuis quelques années quand nous avons organisé notre première sortie ensemble pour l'escalade du Jbel Ayashi qui surplombe la ville de Midelt en août 1989. Je suis originaire de Midelt, vous comprenez donc l'intérêt pour moi de gravir cette montagne qui nous a toujours dominés. Quelques années plus tard, nous avons effectué avec d'autres amis des randonnées en montagne pour des durées de quelques jours à chaque sortie. Nous avons participé ensemble à une dizaine de randonnées qui m'ont permis, grâce à lui, de connaître un peu mieux une partie du Maroc profond et les différents sommets de l'Atlas. En l'an 2000, par exemple, nous avons été de Zawit Ahnsal jusqu'à Emil Chil à travers la Zawiya Tamga. En 2001, nous avons rejoint Emil Chil à partir de Tounfit par Asaka, Enfgou, et nous avons continué même jusqu'à Al Munwansa, qui est un pâturage d'une extrême beauté au-delà d'Emil Chil. En 2003, avec mon ami derrière moi, c'est Iyad Kharwash, nous avons été à Ribat al-Khair et avons parcouru Tamjil, Tbouiblan, Tafertna, Ribat al-Khair, en 2003. En 2005, toujours Emil Chil qui nous attire, Emil Chil, Al-Mulwansa, Sloult, Tafraout, Nait Abdi, Zawit Ahnsal, c'était en 2005. En 2006, avec notre ami ici présent, Hussein Yaqoubi, nous avons été autour de Tazizaout et avons parcouru un peu toute la région. Participer à une randonnée avec Michael Perron est toujours un plaisir. C'est un discret meneur d'hommes qui se distingue par sa grande connaissance des différentes régions de l'Atlas, son endurance en tant que marcheur infatigable, tout au moins à l'époque. Son attachement à la langue amazigh, qu'il parle couramment. À Emil Chil notamment, il est très connu et même surnommé Isma Brabash, lion tacheté. Il se distingue aussi par sa simplicité et sa tolérance, de même que par son amabilité. Je félicite les dirigeants de l'IRCAM d'avoir pensé à cet hommage amplement mérité pour un homme qui a tant fait pour notre pays, pour notre culture et pour notre langue amazigh. Je vous remercie. Merci Sassou. Dernier témoignage et pas des moindres nous vient de c'est Abdelmalek Hamzaoui. Je vous donne la parole, c'est Abdelmalek. Azul Amdok Liazin, Michael Perron, que de plaisir et d'honneur de participer à cet hommage rendu par l'IRCAM que nous remercions infiniment dans la personne de M. le recteur.
en reconnaissance au professeur Michael Perron pour son parcours atypique et d'exception. Des collègues, ils ont presque tout dit, mais il reste encore beaucoup de choses à dire. Alors, permettez-moi, avant de passer à mon témoignage, de saisir cette occasion historique pour remercier en public notre ami Michael Perron, qui a bien voulu préfacer mon livre intitulé « Les Inoubliables, les maîtres de l'art amazigh », édité en 2009. Et pour information, une modeste biographie de lui y est dans les pages de 319 à 325. Je remercie également M. le ministre Driss Aoucha, qui est mon voisin parce que nous habitons la même province, qui nous a permis de nous rencontrer à Al-Akhawain, et c'est là que j'ai exploité, pas profondément, mais j'ai exploité mon ami Michael Perron pour me divulguer quelques secrets. Le livre, je vous le remets à la fin, parce que vous ne l'avez pas, malgré que vous l'avez préfacé. Donc le professeur Michael Perron, on l'a surnommé Ism Abrabash. Mais il a un autre surnom quand il était tout petit. C'est sa famille lui attribue le surnom de Miko Pomponiana. Voilà. Et puis, quand on dit Ism Abrabash, moi je vais passer à un vers de poésie, parce que Ism Abrabash, c'est un félin qui fait peur, mais qui est affectueux dans l'Isli Amazigh. Comme vous avez écrit un très beau livre, où vous avez consigné beaucoup d'islam amazigh, Issaf Nrabanin. Donc je vous dédie deux vers de poésie amazigh. Isma Barbash Rabak Gaura An Shouri. C'est-à-dire, Isma Barbash, tu me fais peur. Addeidi Zayeln di Hrurir Stessa. Voilà, donc la poésie amazigh. Les gens qui l'ont surnommé Ism Abrabash, donc ils ont puisé ce surnom dans cet isli. Donc, Michael Perron, il est français, parce que son père il est français, mais il est anglais en même temps, parce que sa maman elle est écossaise. Mais il a appris encore l'espagnol et tamazight. Tamazight, c'était à l'université, parce que là, il y avait beaucoup, vous l'avez mentionné, monsieur le doyen, vous avez mentionné les collègues qui travaillaient dans les départements de l'anglais. Il y avait parmi ces gens-là, Jilali Sayyid. Jilali Sayyid, il l'a cité dans son livre Issaf Nrabanin. Et puis, dans Issaf Nrabanin, Jilali Sayyid et d'autres personnes l'ont beaucoup aidé à faire cette collecte. Donc, notre ami Michael Perron, il est l'exemple parfait de la diversité linguistique qu'il met en œuvre dans ses multiples contributions. Michael Perron, c'est un homme qui a passé toute sa vie à défier la nature. C'est un grand homme qui a passé 11 ans en Angleterre pour apprendre l'anglais, mais dans une école qui apprend aux jeunes à surmonter la vie et affronter tous les obstacles. C'est ainsi qu'à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire en 1953, il a découvert le Maroc parce qu'il a rejoint son père qui travaillait à Casablanca. Il est venu la première fois en 1953. Ici au Maroc. Donc, puis, quand il est arrivé au Maroc, il avait beaucoup d'occupations, je ne vais pas tout citer, mais il a découvert aussi Meknès et Fès en tant que militaire, parce qu'il faisait son service militaire dans l'armée française. Donc, il a découvert Meknès et Fès. Il avait un grade de sous-lieutenant. Puis après, il est parti en Algérie pour avoir le grade de colonel, enfin de lieutenant, pas colonel, je m'excuse. Voilà, donc en 1964,
tout le monde a parlé de Madame Josiane, ici présente, parce que l'hommage qui est rendu aujourd'hui à Michael Perron, il est partagé avec la grande dame qui est présente ici dans la salle. Si on dit en arabe, derrière chaque homme, chaque grand homme, il y a une grande dame, وَرَاءَ كُلِّ رَجُلٍ عَدِيمٍ مِرَاءَ عَدِيمًا, je dirais moi. Cette grande dame, il l'a connue en 1964. Donc il l'a épousée, il est devenu sa femme. Et puis, il l'a beaucoup aidée dans ses randonnées. C'était des randonnées, pas pour le plaisir, c'était des randonnées pour aller puiser et chercher la matière première. C'est ce qui nous a donné son premier livre, Issafen Rbanin. Je ne vais pas citer le nombre d'Islam, Timawain et tout, mais quand même, c'est un très beau livre. Donc, pour résumer, parce que vous avez tout dit presque, Michael Perron est une personnalité marquée par une forte amitié qui le lie aux Imazighens. Son amour pour la tradition orale, une reconnaissance envers le Maroc et ses amis Imazighens, est un désir constant de fixer par écrit une tranche représentative de la culture orale amazigh, partie intégrante du patrimoine national. Et Perron, de son aveu, de dire à notre ami ici présent, si Hussein Yacoubi, si je me suis un peu réalisé dans l'Atlas, parce que j'étais en manque de quelque chose que j'aime ici dans les hautes terres de l'Atlas. Et d'ajouter, quand je serai mort, j'aimerais qu'on répande mes cendres quelque part entre Asif Nouirin et Aman Ntartan. Vous avez recueilli ce... Alors, non, Michael, on a toujours besoin de vous. Vous êtes un superlatif de la langue amazigh. Beaucoup de santé. Longue vie à notre ami, à tous, à l'ami de tous les Imazighens, homme qui fascine tous les âges, notre professeur Michael Perron, et à son épouse qui l'a toujours accompagné et soutenu au cours de ses différentes pérégrinations et ses périples au fin fond de l'Atlas. À Grenoble, il a dit tout à l'heure, quand il est à Grenoble, et malheureusement, pour des raisons de santé, lui et son honorable dame, ils vont nous quitter, mais quand même, il restera toujours parmi nous. Et bien sûr, il a dit qu'il rêve en tamazirt. Mais il a oublié de dire qu'il aime une chanson qu'il fredonne de temps en temps et en silence. Et je vais la lui rappeler. Awa Khouraj. Voilà, donc Awa Khouraj. Hadith Rdod Deito Khaminu Hadzriti. Donc on vous demande de ne pas oublier le Maroc, de ne pas oublier Tamazirt, parce qu'il vous aime Tamazirt, et le Maroc aussi. Et ce verre, parce que je vous ai promis deux verres, ce verre il appartient au vétéran de la chanson Amazir, Hamoul Yazid, que Dieu ait son âme. Merci, Tanbelt. Merci, Cheikh Hamzaoui. Alors, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont prononcées, qui ont témoigné. Je remercie surtout ceux qui sont venus de loin. Je remercie toutes les personnes qui ont bien répondu à l'appel. Et maintenant, on passe à la cérémonie, voilà, de remise par M. le recteur de l'IRCAM, de cadeau symbolique pour M. Mankel, d'une attestation, d'un trophée de l'IRCAM et d'un beau livre. Levez-vous. Je sais que ça. Je
Ça fait des années que je n'ai pas de ces nouvelles, je ne sais pas. Et très bien, le ministère des Finances, c'est là où je l'ai connu. Il est devenu président de l'Union. Awisha, je suis des adultes. Voilà, Michael, vous êtes attiré, ça fait attiré de quel endroit? Adore ce rôle. Qu'aime Yalla. Merci. Eh bien, j'ai été vraiment touché par ces témoignages diverses et variées de personnes qui m'ont côtoyé tout au long de ma carrière. Vous avez eu Nadia Larguet tout à l'heure, que j'ai connue quand elle était toute fille, quand elle jouait avec mes filles ici à Rabat. Vous avez entendu mes compagnons de montagne, Assoul Hatout notamment, ainsi que Hossa Yarkobi. Il y a eu les gens que j'ai connus à la faculté des lettres il y a très longtemps, comme c'est Mohamed Darbi, et ensuite à Ifrane. Ifrane, où j'ai rencontré, alors là, plein de gens, donc c'est Rachid Ben Mokhtar, mon ami Driss Wawisha, que j'ai connu à la faculté des lettres, aussi à Ifrane. Hassan Mekwar, qui est venu, qui nous a fait l'honneur de venir avec nous, lui avec qui j'ai traduit l'histoire du Maroc officielle de France, vous savez, de Kabylie, en anglais, avec Sibouchaï Idrissi de Tanger. Tout ça, c'est des personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Et écoutez, je ne peux pas mentionner tout le monde, vous êtes tellement nombreux, mais je vous porte tous dans mon cœur. J'ai été vraiment... mais je vois Kultoum qui est là aussi, je vous avais pas, je vous salue aussi Kultoum, merci d'être venu, c'est formidable ça, vraiment c'est, et puis la composante Middleti aussi qui est venue, Middleti, Zawit Shir, Bnimelel Aouchigin, Zil Hajb, vous voyez toutes ces parties du Maroc central, le Bled Amazir, enfin voilà. Et Ayad Kerouach, que je vois ici aussi, qui m'a beaucoup aidé. Lui, c'est un Ogouarain. Il vient beaucoup plus au nord, vous voyez. Mais c'est grâce à lui que j'ai, sa mère Mariam, on a traduit beaucoup de contes Ouarainis qui ont donné Women as Brave as Men, pour lequel Abdeslam Khalafi m'a gentiment aidé dans la traduction. Et voilà, c'est ça. Écoutez, qu'est-ce que j'ai peur d'oublier quelqu'un. Je salue aussi Fatima Amhazoun qui nous a fait l'honneur de venir. Elle qui a écrit dernièrement sur son grand-père Mouhazraï. Voilà, alors je crois que tout est dit. Et puis je remercie encore une fois le recteur de l'IRCAM, c'est Ahmed Boukous, Mohamed Mouhlis,
Mohamed Mokhlis, qui a tout fait le travail de fourmi là, pour préparer tout ça. C'était vraiment très sympathique de sa part. Et puis, Mayer, Mayesh Bdour. Il y a quelqu'un qui a crié Isli. Ah, attendez. Quelque chose de très typique, attendez. Non, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'indiscrétion des gens. Nenmdnsha, Nenimezensha, Nirsha Audnkin, Simino, Audyuk, Iri, Adiklimin. Voilà. Exceptionnellement, donc nous avons vu toutes les personnes de différents horizons s'exprimer. La cérémonie est terminée. Je vous remercie tous. On ne peut pas, parce qu'on a un temps qu'on devrait respecter. On vous invite à une petite réception préparée par l'institution en l'honneur de cet hommage. Merci à vous tous.